Amis Gémeaux, c'est à votre tour pour le tirage sentimental septembre 2021. J'espère que vous vous portez bien et que les vacances, eh bien, sont malheureusement déjà loin. Voilà, donc on va partir. Excusez-moi, je bégaye. On va démarrer le tirage avec le Médéor, hein. Je vais tirer 3, 2, 3, 3, 4 cartes plutôt. Et ça, on va voir ce que ça va nous dire sur le sentimental. Gémeaux, septembre 2021. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Grande gratitude à vous pour vos visionnages. Ça me fait chaud au cœur. Grande gratitude parce que nous avons dépassé ce matin les 190 abonnés. Donc, c'est quand même énorme. Voilà, énorme pour moi, énorme que vous me suiviez. Ça me fait un réel, réel plaisir. Voilà. Allez. Je sais plus si c'est allez, hop. Donc j'espère qu'on va faire un beau tirage, amis Gémeaux, aussi bien que les balances avant. Allez, hop. Pour les Gémeaux, septembre 2021. Sentimental, s'il vous plaît, mes guides. Les Gémeaux. En 2021 sentimental. Ah ben, il va pas m'en donner, c'est marrant ça. Et Gémeaux sentimental septembre 2021. Pourrais-je avoir des cartes s'il vous plaît? Septembre 2021 sentimental pour les Gémeaux. Voilà, ça fait beaucoup trop. Je vais aller les chercher, hein. Sentimental, septembre 2021. Sentimental pour les Gémeaux. Voilà. Merci. Il y en a pas beaucoup trop. Combien qu'il m'en a mis sur les genoux? Oh, putain, ça fait beaucoup trop. Alors, déjà, nous avons confusion et doute. Hein. Allez, pourrais-je avoir des cartes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux sentimental septembre 2021, s'il vous plaît, mes guides. Bon, ils ne veulent pas, ça y est, ils sont en pause. La rancune. La fausse parole. Et l'amour durable. Et la réponse étant vous, mes Gémeaux. Mais oui. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Les amis Gémeaux, en ce mois de septembre, vous êtes dans la confusion et vous doutez. Vous doutez de vos sentiments. Vous doutez de votre avenir. Vous êtes vraiment... ouais, vous êtes dans une confusion. Alors après, pourquoi? Pourquoi? Parce que peut-être que vous êtes fâché. Vous êtes fâché avec votre partenaire. Et qu'il y a beaucoup de rancune. Donc la rancune, ça ne sert à rien. Sauf si le partenaire, évidemment, ou la partenaire, hein, mettez à votre sauce. Hein. Sauf si la partenaire vous a fait des fausses paroles, des fausses promesses, des mensonges. Mais malgré tout, entre vous, eh ben, c'est un amour durable. Voilà. Parce que vous avez... Vous savez, au fond de vos cœurs, de votre cœur, que c'est l'amour de votre vie. Vous savez que même si, qu'il y a de la rancune, qu'il y a de la confusion et qu'il y a
Mensonges, bah, si ce n'est pas des gros mensonges, évidemment. Vous savez pardonner, vous savez, vous avez la clé en vous, mes Gémeaux. Vous acceptez, vous acceptez cet amour, vous acceptez cet amour. Parce qu'entre vous, c'est une grosse avancée karmique. Vous voyez ce soleil, comment qu'il éclate. C'est impressionnant. Vous vous aimez à un point, vous avez un lien karmique. Mais ouais, mais quand même, il va falloir combattre les vieux démons. Hein? Les vieux démons qui vous ont, voilà, qui vous ont rongé, hein, là. Tiens, il va falloir combattre tous ces doutes, hein, afin de vous réconcilier et d'oublier et de juger l'être aimé. C'est beau, hein? Et cet événement va être dans un très proche. Tout ça, ça va se passer dans un, voilà, dans le mois de septembre, hein. Parce que entre vous, c'est le bonheur total. On a l'amour durable et le bonheur total. C'est magnifique quand on en est là, mes amis Gémeaux. Mais c'est le bouquet final au ras du feu d'artifice, quoi. Hein? Voilà, parce que vous vous transformez. Je vais m'arrêter là parce que sinon on va faire tout le paquet, là. Vous vous transformez, les Gémeaux. Vous savez pardonner. Hein? Donc, et oui, quand je dis, voilà, vous enlevez tous vos blocages karmiques parce que vous êtes en lien karmique. Voilà, je m'arrête là parce que sinon on va faire tout le paquet. C'est pas la peine. Mais non, c'est très très beau. Très beau, très beau. C'est une très très belle histoire d'amour qui peut-être qui a commencé. Voilà, c'est peut-être une histoire d'amour qui a commencé et qui va se continuer malgré tout en septembre. Hein. Il ne faut pas avoir de rancune et il faut éviter de dire des fausses paroles aussi. Mais non, vous avez quand même les Gémeaux, vous avez la clé en vous. Sur votre cœur, donc vous savez que cette personne que vous avez rencontrée peut-être cet été ou il y a quelques mois, eh ben vous avez une relation karmique avec elle. Voilà mes amis Gémeaux. Allez, on va continuer avec l'oracle du Bélier. Merci évidemment. Si je casse mes cartes, ça ne va pas le faire. Allez, pour les Gémeaux, septembre 2021. Gémeaux, septembre 2021, sentimental, s'il vous plaît. Donc, un cabinet pour les Gémeaux, septembre 2021, sentimental. S'il vous plaît, mettez un cabinet pour les Gémeaux, septembre 2021, pour les sentimental. Retourner par terre. Voilà, comme ça, on a notre quota. De deck. Ouais, vous avez le cloître. Hein. Alors, on va voir ce qu'on a eu là. On a eu la famille.
Donc, sur confusion et doute. On a eu la bonne nouvelle. Hein. Vous êtes le troisième signe hein, qui sort de la bonne nouvelle. Donc, ça va être vraiment un mois de septembre super, super cool, quoi. Hein. Vous avez eu la table et l'union sur l'amour durable. Donc, moi, j'ai dit, c'est pas mal non plus. Donc, la famille, ben oui, hein, ça porte son nom, hein, c'est la construction d'une famille, la construction de vos racines avec la personne, donc, a priori, qui hante votre esprit, quoi, qui remplit votre cœur d'amour, hein. Parce que vous voulez construire une famille, un lien affectif. Voilà, vous savez, c'est votre père, hein, donc il n'y a pas. C'est vraiment la famille, quoi, la poule avec ses petits poussins, quoi. Et sur la rancune, vous allez quand même avoir des bonnes nouvelles. Donc la rancune, peut-être, encore septembre, ça va se calmer. Sur les mensonges et tout ça, et bien écoutez, vu que ça se calme avec la bonne nouvelle, on va peut-être célébrer tout ça autour d'un bon repas. Hein, donc voilà, donc la convivialité, l'attraction, le partage, les festivités, hein, donc tout ça, vous allez faire la fête, quoi. Donc vous allez oublier que. Qu'il y a eu des mensonges, voilà. Et sur l'amour durable, eh ben, nous avons la fusion, hein, l'union, l'association des cœurs. C'est magnifique, non? Voilà, l'alliance, l'équilibre, l'attraction. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre qu'à part que ça va être, je vous dis, le feu d'artifice un 14 juillet, quoi. Ouais, c'est ça. Merci mes guides pour les messages envoyés. Franchement, moi, ça me fait extrêmement chaud au cœur. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Ah oui, je voulais vous dire quand même d'autres decks. Hein. Voilà, parce que quand même, vous vous êtes quand même replié dans le haut cloître. Hein, vous vous êtes replié sur vous-même, hein, les Gémeaux. Hein, avec toute cette méchanceté, tous ces mensonges qui ont été dits, ça a été très méchant, quoi. Ça a été très dur à entendre. Hein. Ça vous a mis des doutes, hein, des incertitudes, hein, sur votre vie de couple, ça c'est évident. Et c'est pour vous, monsieur l'étoile de l'homme, hein, en influence Mars, hein, l'étoile de l'homme, c'est pour voilà. Mais bon, après, regardez, vous avez quand même les présents, donc ça va se calmer, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Donc, tout va s'aplanir. Hein, on va vous faire des cadeaux, vous allez avoir des grâces divines, des récompenses. Et vous avez surtout l'appui du ciel, hein, l'appui du divin. Vous avez aussi des soutiens d'amis. Donc, ne perdez pas ça. Les Gémeaux, ne perdez pas espoir, ça va se résoudre. Vous êtes vraiment, si vous venez de vous rencontrer, vous êtes vraiment le miroir, vous êtes, oui, vous êtes les deux aimants, quoi. Allez, pour les Gémeaux, septembre 2021, sentimental avec l'améthyste love.
Diamant, sentimental, améthyste, allez, on y va. Diamant, sentimental, septembre 2021. Ah ouais, oui, vous êtes encore en pause. Hein. Vous faites une pause là, hein, les Gémeaux. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Allez, une carte qui s'est retournée. Ouais, vous patientez. Vous êtes dans l'attente et vous faites une pause. Hein. Donc, allez, pour une heure, votre message annexe, je crois. Ouais, vous lâchez prise, pour l'instant, vous lâchez prise. Sûrement que ces fausses paroles ont été un peu très dures. A priori, vous lâchez prise. Hein. Donc, j'ai mon sentimental, c'est en 2021, s'il vous plaît, mes filles. Voilà, le message annexe, donc on y va. Ouais, vous êtes dans la guérison. Vous êtes dans la guérison, vous allez pardonner. Vous allez vous pardonner l'un et l'autre surtout. Et ouais. Dans 3 mois. Une nouvelle rencontre, une nouvelle personne arrive. Ça peut être il y a 3 mois. Hein. Vous avez peut-être rencontré cette personne il y a 3 mois. Le passé. Le retour du passé, le retour d'un partenaire. Attention, danger là. Il y a de la malhonnêteté quelque part. Hein. Le succès. Ah, ben j'ai 2 cartes. Hein. Et ouais, qu'est-ce que je vous disais, que vous êtes aimantés tous les deux, hein? Donc c'est pas, voilà. C'est pas moi qui le dis, enfin je le dis, mais les cartes me le confirment. Donc, qu'est-ce qu'on a? Vous êtes aimantés, comme voilà, vos cœurs se... Vous vous transformez, le Gémeaux, hein? Enfin les Gémeaux. Vous avez un amour inconditionnel pour cette personne. Je le dis et je le redis depuis tout à l'heure. Vous êtes vraiment des âmes sœurs. Parce que regardez, c'est un amour véritable. Mais attention à ne pas tomber dans l'addiction affective, hein. Il faut, mais peser le pour et le contre, mais ne tombez pas dans l'addiction affective. J'ai l'impression d'avoir des moustiques qui se posent sur mon corps. Et vous avez un projet de déménagement, de vivre ensemble, de vous unir. Voilà, c'est pas mal, hein, c'est joli. Et oui, parce que vous êtes quand même dans la guérison, comme je l'ai dit. Et il y a trois mois, il y a peut-être eu un retour de quelqu'un du passé. Et là, voilà, ça a refait un déclic. Hein? Vous avez été prudent quand même, hein? Vous avez mis la prudence. Mais entre vous, c'est chaud, mes Gémeaux. C'est le succès. Vous êtes prêt à soulever des montagnes pour cette personne. Vous avez eu tellement mal au cœur que vous avez la foi qui soulève des montagnes. Et vous aviez peut-être un doute. Vous aviez peut-être un doute sur une triangulaire. Hein? Mais non. Cette personne va vous inviter. Voilà.
Cette personne va vous inviter, elle va vous envoyer une invitation. C'est peut-être la nouvelle qui va arriver et qui va recoller tous les morceaux. Une invitation pour aller manger. Voilà. Vous êtes un amour véritable, un amour durable. Vous avez quand même eu l'union. Donc, non, non, c'est franchement, déménagement, les addictions, faites attention aux addictions, c'est tout, hein. C'est un amour véritable, un amour inconditionnel. Vous vous transformez et vous êtes des aimants, quoi. Donc là, franchement, moi, je peux pas vous en dire plus, hein. Les Gémeaux, c'est magnifique. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs pour voir ce qu'il en dit. Mais je pense que quand même, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, hein. Allez, Gémeaux, septembre 2021 pour le sentimental. Mes guides. Sentimental, sentimental, Gémeaux, septembre 2021, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, je vous ai trop parlé puisqu'il n'y a plus de message annexe. Voilà. Ah, je suis une bavarde, hein. Et ouais, mais vous voyez, j'ai trop parlé, il n'y a plus de message annexe. Alors, on va voir ce que le message. Allez, Gémeaux, sentimental, septembre 2021. Et ouais, vous allez prendre la parole. Hérédité. Les enfants, le nouveau projet. Vous travaillez. Les amis. La correspondance. Allez, pour les Gémeaux sentimentales. Et l'échec, qui n'est peut-être pas un échec. Vous avez des rêves. Des rêves, il est vous prenez le temps, mais il y a un nouveau projet, les jalousies et l'amour, et les actes sont tombés. C'est très beau, le dos de deck, il est très beau. Vous avez des rêves plein la tête, là. Attention, il y a quand même le serpent, il y a des hypocrites auprès de vous, quand même. D'accord? Donc, faites très attention. On vous dit, dans peu de temps, ou avec un peu de patience, vous allez faire de nouveaux projets. La route est encore longue, hein. Mais et évidemment, il y a toujours des jaloux, des jaloux. On n'en a pas vu, on n'a pas vu des jaloux. Si, on a vu des jaloux dans l'Amethyst Love aussi, hein. Et oui, ça vous a créé des doutes. Et oui, vous avez vu? Le renard, ça vous a créé des doutes. Évidemment. Mais entre vous, c'est l'amour. C'est l'amour inconditionnel. Je le dis, je le répète. Hein. Voilà. On vous a peut-être dit des méchancetés, comme je disais tout à l'heure. Voilà. On vous a accusé de choses malhonnêtes. Et vous, vous êtes éloigné. Vous êtes isolé. Et vous vous élevez tout seul pour l'instant. Prenez de la distance à l'étranger. Voyez, on a l'étranger et prendre de la distance.
Donc, je pense que ouais, vous allez peut-être faire un petit break, mais pour mieux vous retrouver après. Ouais. Oh, bah, papa. Un petit break pour mieux vous retrouver après. C'est bien, hein? Et puis on me dit oui, hein, on dit, regardez, vous allez passer un contrat. Hein, vous allez passer un contrat et on me dit oui. Examen réussi. Bon, ben c'est très bien, c'est très bien. Écoutez, hein, moi, qu'est-ce que je vous dis? Des fois, je m'étonne moi-même quand je dis une chose et que la carte me montre la réponse. C'est formidable. Alors, vous allez prendre la parole. Mes amis Gémeaux, vous allez pouvoir prendre la parole. Hein? Ça, vous savez le faire parce que c'est un don inné en vous. C'est un don inné en vous, donc c'est héréditaire. Hein? Vous savez parler et vous savez faire des projets. Hein, vous allez faire des projets et vous y travaillez en fait sur vos projets. Vous y travaillez sur vos projets avec des amis. Vous allez avoir des correspondances. Vous allez peut-être recevoir une correspondance. Ça va vous rendre instable. J'espère que c'est voilà, c'est pas la nouvelle. Évidemment, hein, des messages, tout le monde peut en recevoir. Mais, pardon. Excusez-moi, j'ai bâillé. Alors, oui, vous allez recevoir une correspondance qui va vous rendre instable. Et vous allez prendre tout le monde autour de la table pour vous réunir, pour discuter. Hein, pour prendre la parole, pour discuter, ben, c'est marrant ça, regardez. Hein. Première carte et fin de carte, c'est prendre la parole et on se réunit et on cause. Voilà, de choses qui vont pas et des faux amis et voilà. Donc, des fois, il faut percer l'abcès. Parce que vous avez cru finir votre relation en échec. Non, vous êtes toujours debout, vous, hein. Le Gémeaux, il est toujours debout, donc je vais tirer une autre carte. Je vais tirer une autre carte sur l'échec, mais s'il vous plaît, mes guides, pourrions-nous avoir une carte de plus pour les Gémeaux, septembre 2021. Mais oui, vous allez faire le bon choix. Vous allez prendre la bonne direction. Voilà, c'est tout. Voilà. Il n'y a pas. Non, non, il ne faut pas se faire des nœuds dans la tête, au cerveau, ou la rate, au corbouillon, comme je dis tout le temps. Hein, je crois que ça va me rester, ça. Et. Allez, mes amis. Gémeaux, septembre 2021. Septembre 2021 pour les Gémeaux sentimentales avec le petit Lenormand qui va nous compléter cette histoire. Allez, mes guides. Avons-nous des messages annexes pour les Gémeaux, septembre 2021. Comme le miroir, il y en a pas. Alors, il n'y a pas de message annexe. Je vous ai trop parlé. Allez, on y va. Et oui, vous prenez la bonne direction. Vous choisissez le bon chemin. Voilà. Et oui, vous allez encore discuter, hein. Il va y avoir de la discussion en septembre, là. Et mais vos voeux vont être réalisés. Vos voeux vont être exaucés.
Vous allez y avoir des mouvements. Il va y avoir du mouvement, de la prospérité, voilà, de la sérénité. Et c'est la fin de tous vos tracas. D'accord? Grâce aux amis, les amis vont vous aider à que ça aille tout seul, quoi. Ça roule comme... ça roule tout seul. Voilà, vous allez prendre le bon chemin. C'est bien ça. Vas-y. C'est exactement les mêmes cartes. Hein. Et oui, parce que vous êtes vraiment deux signes qui s'aiment, quoi. Vous avez un énorme cœur qui vous relie. Hein. Parce que la route est quand même, vous avez quand même traversé quand même de périples. Vous avez, je me reprends parce que là, je dis n'importe quoi. Vous avez quand même parcouru pas mal de chemin dans ce labyrinthe pour trouver la sortie. Donc, ça serait idiot de ne pas prendre, de laisser filer un amour pareil. Voilà. Voilà. Merci. Je peux parler tellement vite que... et puis, c'est pour la femme romantique, hein, ou l'homme romantique. C'est pour vous, la consultante. Ah! Où nous avons aussi une femme charnelle. Alors, que vous soyez une femme ou un homme, vous pouvez être romantique et charnelle en même temps. Hein. C'est pas, voilà, hein, c'est pas parce que... hein. Oh. Voilà, voilà, vous avez quand même des souhaits qui vont se réaliser à la nouvelle lune. Vous examinez quand même la situation, mais vous êtes fort, vous êtes robuste comme un ours, vous avez la force et ça va vous apporter la prospérité. Voilà, parce que vous allez signer l'acte, vous allez signer des papiers officiels pour dire que cette personne... Eh bien, oui, c'est pour vous, amis Gémeaux, quoi. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Donc, que ça fasse un mois, 6 mois, un an, peu importe. Voilà, vous allez ensemble traverser le pont des souhaits et vous avez la bonne étoile. Voilà, vous êtes bénis par les étoiles. Enfin, vous avez surtout la bonne étoile au-dessus de vous, quoi. D'accord, amis Gémeaux. Donc, comme les balances, les Gémeaux, c'est un signe d'air, un signe réfléchi. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Je ne me fais aucun souci pour les Gémeaux. Allez, je ramasse tout ça, toute cette belle histoire. Vous vous posez une question, je... vous tire une carte avec les réponses angéliques. Je fais confirmer avec mon pendule, évidemment. Voilà. Allez, les réponses angéliques. Qu'avons-nous, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, c'est en 2021 sentimental. Pouvons-nous leur donner une réponse? Une carte nette, précise. Claire, nette et précise. S'il vous plaît, l'équipe pour la question posée par les Gémeaux. J'ai l'impression d'être bouffée par les moustiques. C'est une impression ou c'est un fait réel? Allez. Une réponse pour les Gémeaux. Merci. Merci mes guides. Oui, oui. Alors je ne sais pas quelle était votre question, mais c'est un grand oui. Donc on ne va pas tergiverser plus longtemps. Hein? Mon pendule. Est-ce que la réponse est correcte à la question posée?
Ben, c'est un oui aussi, hein. Voilà. C'est un grand oui. Gratitude à mes guides. Voilà. Eh ben, je suis ravie pour vous. Vous avez un super tirage, les Gémeaux, hein. Je suis ravie, ravie, ravie. Allez, on fait une petite prière des anges. Hein, pour, donc, vous avez la prière, vous avez le mantra et la prédiction. Donc, on y va pour les Gémeaux, septembre 2021. Gémeaux, septembre 2021. Sentimental, s'il vous plaît, et vide. C'est des très très jolies prières, j'adore les lire, c'est très très intéressant, je pourrais dire. Et pour nous avoir deux, trois cartes, s'il vous plaît. Et ben voilà, il suffit de demander trois cartes. Merci mes guides, merci à l'univers. Voilà. Allez, on y va. Ah, gratitude, liberté et joie. Ah, on va commencer par la joie. Mes anges, merci de distiller de la joie dans mes pensées et dans mes actes, d'embellir mon quotidien de merveilleux, d'offrir et de recevoir, de participer avec enthousiasme à la bonne marche de notre planète, de rire de tout et de... et de ne s'inquiéter de rien. Mais c'est tout à fait ça. Je suis la joie, je mérite la joie. La prédiction, une fête se prépare. Une fête se prépare. Tu es sur un petit nuage. Voilà, amis Gémeaux, la liberté. Mes anges, merci de libérer en moi toute forme de possession qui entrave ma relation. L'amour ne possède pas, il élève. La liberté n'enferme pas, elle transforme. La liberté n'exige rien, elle donne et elle reçoit pour le bonheur de soi-même et de l'autre. La liberté ne se vole pas, elle se partage. Mais c'est totalement ça. Je suis la liberté, je mérite la liberté. Prédiction, manque de confiance, jalousie, il faut revoir les fondements de ta relation. Alors, amis Gémeaux, homme, femme, c'est peu importe, si vous êtes jaloux, évidemment, vous allez droit dans le mur. Donc, revoyez un peu, rongez un peu vos freins, et puis vous allez sûrement arriver à garder l'autre auprès de vous. Allez, bah, gratitude, hein. Ne fais jamais finir une guidance sans dire gratitude. Mes anges, merci pour tout l'amour qui circule autour de moi. J'inspire et j'expire de l'amour à chaque instant de ma vie, pour tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas. À moi de manifester dans la matière ce que je n'ai pas, en puisant dans mes ressources et en émettant des pensées positives. Je suis la gratitude, je mérite la gratitude. Prédiction, tu vas recevoir un cadeau ou une marque d'attention de l'être aimé. Et ben voilà, c'est complémentaire ces deux-là. Voilà mes amis Gémeaux, si le tirage vous a parlé, ben n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et actionnez la petite cloche pour avoir les prochaines vidéos. Voilà mes amis Gémeaux. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et de votre famille. Et je vous kiffe, je vous kiffe, je vous kiffe.